Pour ça, on va aller dans Matthieu 24, au verset 5. Matthieu 24, au verset 5. Vous allez avoir une révélation aujourd'hui. Vous allez comprendre les mystères cachés du Père. Matthieu 24, verset 5 qui dit, car plusieurs, c'est la personne du premier-né qui parle dans la Bible. Car plusieurs viendront. On a déjà montré ces plusieurs. Mais la parole dit ici que plusieurs viendront. Viendront, c'est quoi? C'est dans le futur, ce n'est pas dans le passé. Il n'a pas dit plusieurs sont venus, mais plusieurs viendront dans le futur. Vous pouvez taper la conjugaison. Vous pouvez taper le grammaire à grammaire. Vous pouvez aller définition, viendront, c'est quoi? On va te dire c'est dans le futur et non dans le passé. Plusieurs viendront. Et non sont venus. Sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Il n'a pas dit c'est moi qui suis Jésus. Ou c'est moi qui suis Yéhoshua. Mais c'est moi qui suis le Christ. Point. Et ils se diront beaucoup de gens. Point. Donc, la personne du premier-né met l'accent. Il dit ici, parce qu'il est bien placé, que quiconque dans l'histoire de la création, quand il parle, parce que ses paroles sont esprit et vie. Et la personne du premier-né dit, car plusieurs viendront, et non plusieurs sont déjà venus, mais plusieurs viendront, c'est dans le futur. Donc il disait qu'il y aura plusieurs faux Christ qui vont venir, qui vont faire des miracles, ils vont séduire beaucoup de gens. Je vais aller dans la Bible Second 21 qui dit, en effet, beaucoup viendront. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront deux points, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Matthieu 24, 24 dit, car il se lèvera, c'est dans le futur, et non, il s'est levé. Et on sait que l'histoire d'Osiris, d'Horus, a été écrite 5000 ans avant le christianisme, donc avant votre Jésus que vous adorez là. Mais le premier n'est dit ici, car il se lèvera dans le futur. Quand on dit il se lèvera et non il s'est élevé. Il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes et ils feront, et non et ils ont fait, et ils feront de grands signes et des prodiges à tel point que s'il était possible, ils tromperont les élus même. Point. Matthieu 24, verset 26 dit, c'est pourquoi si l'on vous dit, c'est pourquoi si l'on vous dit, et non si l'on vous avait dit, mais si l'on vous dit, deux points. Voici, il est dans les déserts, n'y allez pas, deux points. Voici, il est dans les chambres secrètes, ne le croyez pas. Donc, vous allez comprendre ici, la révélation c'est quoi? C'est que le véritable Christ a existé. Le véritable Messie a existé. Le véritable premier-né a existé. Existe toujours. Mais est venu bien avant 2000 ans. Le vrai Christ est venu bien avant l'histoire d'Osiris. Bien avant Dionysos. Bien avant Attis. Bien avant Bouddha. Bien avant Krishna. C'est pour ça qu'il a dit. Qui se lèvera de faux Christ? Parce que si le vrai Christ était venu il y a 2000 ans, il n'allait pas dire il se lèvera de faux Christ. Il allait dire il s'est levé de faux Christ et il se lèvera encore de faux Christ. Est-ce que vous comprenez la révélation? Ça veut dire ce Christ qui est arrivé il y a 2000 ans, c'est le faux Christ. Le véritable Christ qui était dans l'Afrique ancestrale a dit il se lèvera de faux Christ. Plusieurs viendront sous son nom. Son nom c'est quoi? Il n'a pas dit Yéhoshua. Il n'a pas dit Jésus. Il a dit plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Parce que le Christ c'est le sauveur. Et tous ces sauveurs que j'ai cités là, ils sont venus en tant que sauveurs de l'humanité.
C'est pour ça que Job 33, 14 dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Excusez-moi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, Job 33, 14, que le Père parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Si c'était le vrai Christ qui est arrivé il y a 2000 ans, il n'allait jamais dire, je le répète encore, qu'il s'élevera de faux Christ. Toutefois, en sachant qu'il y a eu déjà des faux Christ qui sont arrivés et qui ont séduit des gens, qui ont mis le doute dans des gens actuellement, il allait plutôt dire, il s'est levé de faux Christ et se lèvera encore d'autres faux Christ. Parce que quand il dit, il se lèvera de faux Christ, ça veut dire qu'avant lui, il ne s'est pas levé de faux Christ. De même que je dis, il se lèvera de faux Zouloula. Ça veut dire qu'avant moi, il n'y a pas eu de Zouloula. Mais c'est après moi qu'il y aura des faux Zouloula. C'est ce que Christ dit. Il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Donc, l'histoire du Christ a été plagiée dans chaque époque, dans chaque civilisation. Donc, le Christ que vous adorez, là, c'est un faux Christ. Celui-là, qui se fait passer pour Jésus, je le dis encore, c'est un faux Christ qui est arrivé il y a 2000 ans. Donc, on vous dit qu'il est arrivé il y a 2000 ans. C'est un faux Christ. Le vrai Christ n'est pas arrivé il y a 2000 ans. Il est arrivé bien avant tous les messies que je viens de citer. Bien avant. Et vous tous, vous avez été trompés. Vous tous êtes en train de délirer. Quand vous criez, oh Jésus, mon sauveur, vous êtes dans la confusion totale.